Donc vous avez connu le port du Bonneau étant jeune? Oui, oui je suis né au Bonneau. Et qu'est-ce qui se passait quand vous étiez jeune sur le port du Bonneau? Il y avait des activités encore d'ostriculteurs, de pêcheurs, de pêche? C'était des pêcheurs, il y avait des ostriculteurs aussi. C'est dans la bande de l'autre côté. Là. Et puis derrière ici aussi. Et les bateaux se ressemblaient à ce qu'on vient de voir passer? Non. C'est des pinasses, après ça. Et vous êtes allé un jour naviguer dans le golfe du Morbihan? Vous avez eu l'occasion d'aller accompagner des pêcheurs ou jamais. 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 J'ai fait un peu de tout, mais sauf la pêche, ne m'a jamais intéressé. Même pour ramasser des coquillages. Même pour le plaisir. Même pour. Et cette fête-là, la semaine du golf, là, c'est tous ces bateaux qui arrivent au Bonneau. Oui. Ça vous évoque quelque chose? Vous trouvez que c'est. Non, moi ça ne me dit rien. Ça vous dit rien? Ça fait. Jusqu'à maintenant, je travaillais au comité des fêtes. Je faisais les grillettes. Ça fait 4 ans que j'ai arrêté et je ne suis pas venu sur le port depuis. Moi je connais pas grand chose, je suis déjà plus jeune que ça. Et puis comme je n'ai pas l'école au Bonneau, donc j'ai pas connu beaucoup au Bonneau, mais enfin ouais, la mer ça m'intéresse. Il faut que je sois en retraite maintenant, moi c'est un plaisir. Et on a du goût à venir là pour la semaine du golf? Oui, on voit des anciens bateaux, on voit autre chose. Des anciens qu'on a connus, puis on se retrouve. Ça nous fait une sortie aussi. Je faisais la pêche à pied dans le temps, dans l'anse de Cadrère. Et maintenant, il n'y a plus rien, c'est que de la vase en face du golfe de Manet. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de moule, il n'y a plus de rigato. Donc là, ça fait un peu. Ah, bah oui, on aime bien venir, le Bonneau est accueillant. Bah oui, on est chez nous, pour vous semblez. Oui. Écoutez, nous vous remercions, bon après-midi. Merci. Pour toi.